Allez, salut, j'ai du cul et de l'Académie française. Nous, on n'y comprend rien, en tout cas. Nous, on est venu défendre notre petite bouffonnerie. C'est ce qu'on va faire. Ça s'appelle de la promotion. Et on le fait en joli essai. En tout cas, on essaye de le faire. Et qu'on me parle plus de mes vieux parents. Le premier qu'il fait, je lui rentre dedans. À peine si j'irai à leur enterrement. Il m'en reste qu'une, mais je le regarde une dent. Ils ont tout jeté dans le déménagement. Tous mes vieux vinyles en ménagement. En disant, mon grand, tu n'as plus 20 ans. Je leur causerai plus et jamais je mens. Du mal de Johnny, ni de Johnny, faut pas lire du mal de Johnny, ni de Johnny, qu'on me parle plus de ma fille Laura, et mon héritage, crois pas qu'elle l'aura. Elle aime pas le rock, préfère Barbara, elle doit être la touffe où je m'y connais pas. Ça a commencé, elle m'a dit papa. Ton rocker de cœur, tu l'as vu mille fois. Et y a pas que ça, lis ce bouquin-là. Tu vires au ringard, va à l'opéra. Quoi? Faut pas lire du mal de Johnny. Mais faut pas lire du mal de Johnny. De Johnny. Qu'on me parle plus de mes anciens amis. C'était des jaloux qu'ils aimaient Eddie. J'avais passé l'éponge mais c'est vendredi. Ils m'avaient invité à bronzer dans le midi. Ouais, que cette grosse conne je dis ce que je dis. Elle enlevait le t-shirt, celui où j'en ai. En 78, t'avais tout vomi. C'était pas grave, Abadi. Il était pas joli. Quoi? Faut pas lire du mal de Johnny. De Johnny. De Johnny. Là où je me rassure, c'est qu'à la télé, il y avait des savants, des intellectuels qui disaient malgré tu, es-tu ce que je sais. Je n'ai jamais rien vu d'aussi vrai. Et ils en ont lu des livres, vu des films compliqués, des académiciens, nippés en livret, qui disent que c'est charmant. Johnny Hallyday, c'est bien qu'est-ce que j'y vais. Et voulez-vous me faire chier? Faut pas lire du mal de Johnny. De Johnny. Faut pas lire. Viens, petit dragon. Tenez! Tenez! Tenez!